Alors, après réflexion par rapport à notre précédente conversation, je ne suis pas d'accord avec tes arguments. Et cette discrimination dont tu parles n'est pas négative. Elle est positive car elle vise l'égalité, tandis que la discrimination négative produit l'inégalité. Et cette distinction est fondamentale. Non, Thérèse. Sur ce point, je ne veux pas faire de compromis. Je pense que chaque discrimination fondée sur des critères assignés est mauvaise, quel que soit le but visé, car elle viole le droit à l'égalité. Dans ce cas, il est important de préciser déjà le but même d'une politique de discrimination positive, car il dépend pour une large part de l'intention du législateur. Tout dépendra généralement des conséquences concrètes d'une telle politique, à savoir si nous arrivons à réaliser l'objectif visé. Mais c'est justement là le problème, Thérèse, car à mon avis, les conséquences sont négatives, aussi bien pour les personnes appartenant au groupe cible que pour les autres. Mais qui le dit ? Je pense que pour invalider une politique de discrimination positive, il faudrait avoir au préalable des données empiriques qui démontrent qu'elle a eu des effets contraires par rapport aux effets désirés. Alors je crains donc qu'une telle procédure ne nous conduise jamais à une conclusion univoque. En outre, mon argument est moins empirique que moral. Je pense donc que même si les discriminations positives apportent des bénéfices à certaines personnes issues du groupe cible, elles sont quand même mauvaises, car elles sont élaborées à partir des critères inacceptables. Mais pourquoi sont-ils inacceptables? Inacceptables car ils violent les droits individuels et se fondent non pas sur le mérite des individus, mais sur leur identité de groupe. Et dans cette perspective, introduire des quotas en tant qu'instrument dans le cadre d'une politique de discrimination positive est à mon sens une très mauvaise option. Alors là, je prends acte que tu t'opposes maintenant au quota en choisissant non plus la perspective des personnes issues des groupes minoritaires, mais celle des individus appartenant aux groupes non minoritaires. Mais il y a une confusion chez toi entre l'égalité en tant qu'objectif général d'une politique publique dans une société démocratique et l'égalité en tant que droit individuel. Pourtant, c'est une excellente distinction que fait Walking entre égal respect et égal traitement. Il est très intéressant ton argument instrumentaliste. Ça voudrait dire par exemple qu'aux élections, les suffrages des personnes les plus intelligentes devraient ou doivent compter deux ou trois fois de plus que ceux des électeurs moins intelligents. Car le bénéfice général pour la société serait si grand, selon cet argument, si les intelligents avaient plus de voix que les idiots. Non, je pense que dans ce cas, il y aurait précisément une violation du droit à l'égalité de traitement et du droit des citoyens d'être traités en égaux. Eh bien, c'est très excellent. Ce que tu es en train de dire démontre la validité de mon argument initial concernant le refus des quotas en politique. Car dans la plupart des cas, les quotas violent précisément l'égale distribution du droit de vote, c'est-à-dire le principe une personne, une voix. Donc, ils violent le principe d'égalité des traitements que tu viens d'esquisser. Je pense que d'autres raisons pourraient justifier ce genre de quotas en politique. La logique intrinsèque du fédéralisme, par exemple, mais je propose d'en parler plus tard. Ultérieurement, en fait, ce que mes jeunes servent les quotas, eh bien, c'est qu'ils mettent l'accent sur l'égalité des résultats au lieu d'agir au niveau de la procédure pour permettre l'égalité des chances. Je pense donc fondamentalement que si l'égalité des chances est garantie tout au long de la procédure, eh bien, peu m'importe si le résultat est égal ou non. Donc le fait que le Parlement camerounais soit majoritairement composé d'hommes te laisse indifférent. Et toi qui prétends être contre toute discrimination, vraiment je tombe des nues, tu me déçois. Ce résultat ne me laisse pas indifférent, Thérèse. Il peut d'ailleurs très bien être symptomatique d'une injustice et donc d'une discrimination au niveau de la procédure. Je vais tout simplement dire que c'est sur la procédure qui conduit au principe de justice que l'on doit agir. Alors, tu sais bien qu'il est difficile de savoir où est la frontière entre libre choix et libre choix influencé par la pratique sociale, ce dernier reflétant souvent des formes de discrimination. Donc, une politique ou une pratique, je dirais, devrait être considérée comme discriminatoire si le résultat en est l'exclusion disproportionnée des groupes minoritaires, et ce, quelle qu'en soit l'intention de ses auteurs. Si, par exemple, à conditions égales, les résultats au Parlement camerounais ne soient pas toujours satisfaisants, est-ce que cela te laisserait indifférent, toi, en tant que libéral? Eh bien, tout dépend de ce que tu entends par conditions égales. Je peux être d'accord avec toi si cela signifie deux choses. Eh bien, si par conditions égales tu entends ou tu supposes, là c'est la première chose, que le profil de chaque groupe donné est le même en ce qui concerne les qualités professionnelles et éducationnelles, et que, là c'est la deuxième chose, à l'intérieur du groupe il existe une distribution uniforme des motivations à atteindre un but donné, eh bien, je suis d'accord avec toi. Malheureusement, il n'est guère question de cela dans le cadre d'une politique de discrimination positive.
Or, si ces conditions étaient remplies, eh bien Thérèse, on trouvera la même proportion de personnes qualifiées et motivées pour faire ce travail. Finalement, nous arrivons à un consensus. Tu commences à comprendre la logique même de mon argumentation. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder les faits pour savoir si l'on est confronté à une pratique discriminatoire ou non. Mais qu'est-ce que l'État doit donc et peut faire pour garantir que les deux conditions dont tu parles soient réalisées? Eh bien, il est évident qu'à travers sa politique, l'État peut contribuer énormément à réaliser la première condition. Mais Thérèse, pense seulement au système de bourse qui permet aux enfants des familles pauvres de fréquenter les écoles et les universités qui correspondent à leurs talents et à leurs choix personnels. Je pense donc que dans ce cas, la réalisation de cette condition facilite à son tour le respect de la seconde condition. Mais fondamentalement, cette dernière ne pourra jamais être parfaitement réalisée. Et l'État n'a pas le moyen, ni même le devoir, de s'assurer qu'elle soit remplie. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il serait absurde de croire que l'État peut ou doit influencer la disposition psychologique des individus. Je pense que la tâche de l'État est avant tout de combattre les discriminations, aussi bien directes qu'indirectes. C'est-à-dire? Eh bien, je parle de discrimination directe lorsque l'on a affaire à une sous-représentation d'un groupe social donné, par exemple, au Parlement. Par contre, on a affaire à une discrimination indirecte lorsqu'une loi pose axiomatiquement des conditions qui ne sont pas nécessaires pour l'accomplissement d'une tâche publique, mais qui de facto discrimine un groupe social donné sur la base des critères illégitimes. Alors, je pense qu'il faudrait qu'on le long soit bien au clair sur une chose. Je ne suis pas du tout opposée à ta vision. Il est évident que je suis aussi pour l'égalité des chances au niveau de la procédure et contre chaque forme de discrimination. Mais je pense toujours qu'il est simplement impossible d'ignorer les résultats. Et quels pourraient donc être les ressorts politiques à travers lesquels l'État pourrait corriger un résultat qui ne semblerait pas désirable? Les quotas, je te l'ai déjà dit, mais tu n'écoutes pas apparemment. Bien, alors dis-moi, j'aimerais que tu me répondes avec sincérité. S'il t'arrivait d'avoir un accident et de devoir être opéré d'urgence, eh bien, tu préféreras aller dans un hôpital où les chirurgiens sont choisis selon des critères de qualité ou dans un hôpital où ils sont choisis selon un système de quotas? Dans le premier, bien sûr. Tu vois donc pourquoi je suis contre les quotas? Peut-être, mais ton approche ne respecte pas du tout la diversité des cultures et même la valeur intrinsèque de chacune d'entre elles. Il est important qu'un gouvernement reflète la diversité culturelle du pays. Le fait que le gouvernement soit monoculturel me semble inadmissible. Pas du tout, Thérèse. Le contraire est vrai. Je pense que c'est toi qui ne respectes pas les différences culturelles. Quoi? Alors, ne sois pas irrité. Je pourrais t'expliquer, mais faute de temps, je vais à l'essentiel. Je pense donc que respecter la diversité culturelle signifie précisément ne pas faire en sorte, ni même espérer, que le gouvernement soit le miroir de la société. Imagine un pays comme le Cameroun qui compte plus de 250 ethnies. Mais il serait pratiquement impossible, Thérèse, que chacune des ethnies soit représentée, par exemple, au gouvernement. Je pense qu'un même type d'argument a été convoqué dans les années 60 pour justifier le refus d'octroyer le droit de vote aux femmes. Et certaines femmes se proclamaient d'être heureuses de rester à la maison et de laisser leur mari s'occuper de politique. Comment peux-tu justifier une telle chose? Je ne la justifie pas, Thérèse. C'est une question qui me semble différente de celle qui nous intéresse ici aujourd'hui. Je souhaite simplement dire que respecter la diversité culturelle signifie surtout ne pas attendre que ces groupes soient proportionnellement représentés dans les institutions. Ceci ne me semble pas juste. Je pense que respecter la démocratie signifie vouloir précisément que les institutions démocratiques reflètent comme dans un miroir l'hétérogénéité de la société. Eh bien, je pense donc que dans ce cas, nous prolongerons notre débat plus tard.